Hola! Hola à tous! Et bon comeback sur Animagaming.fr et sur Destroy All Humans! Parce qu'ils le méritent! Parce que regardez-moi ces êtres recouverts de peau beige et de couleurs et de gras et de... Ah! Des saletés, des saletés! Pas de nouvelle zone d'attaque, de défi? Bon ben on retourne là-bas. J'aurais peut-être dû regarder ce qu'il y avait à faire avant. Bon, déjà on va voir si déjà il propose une mission de base. Ah oui, comment elle s'appelait déjà cette gamine? Oui, comme d'hab, j'avais les yeux. J'ai oublié son nom, une gamine de 14 ans encore qui a été harcelée à l'école et qui s'est suicidée, 19 ans en un an, l'année n'est pas finie, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Après, les gens sont encore choqués. Ah, ça arrive encore, il y en a encore un nouveau. On envoie des enfants en dépression et on les pousse au suicide. Mais qu'est-ce qu'on a fait contre ça? Franchement, qu'est-ce qu'on a fait pour lutter contre ça? On a installé un numéro vert? Waouh! Bah du coup, bah voilà, numéro vert, personne n'appelle, tout le monde s'en fout. De toute façon, ça change rien à la vie des gens. Donc à partir de là, enfin... Wow, oh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Attends, ouais. Oh, c'est le temps que ça lance le jeu, ou... Excusez-moi, on va faire start, comme d'hab, ça bug à mort quand je lance le jeu. Qu'est-ce qu'il y a d'ouvert actuellement? Donc on est bien d'accord, performance. Après c'est peut-être juste le temps que ça chauffe, hein, le temps que ça. Je suis en chargement. Ah, j'ai une mise à jour de Nvidia à faire, merde. Non, tant pis, on va voir. Soit ça reprend, soit. Hein. Dégueulasse. Allez, on va d'abord mouver. Pour le peu que c'est le temps que ça charge un peu la map. Voilà, ça a l'air d'aller mieux déjà. C'est quand même moche. Ok, ça va de mieux en mieux. Donc non, parce que je pensais qu'il allait m'envoyer une mission directement. Et donc là, j'ai pas de mission. Parce qu'après, si c'est refaire les courses que j'ai faites, tout ça, je vais pas aller faire le tour des trois trucs, des trois points comme j'ai déjà fait. Mais après, enfin, c'est con, hein, mais c'est à la fois simple. Ok, donc là en fait je n'ai rien fait là-dedans. Pour lutter contre le harcèlement scolaire, là à mon avis c'est tout con, hein. Mais ça passera forcément par les professeurs. Mais à partir du moment où les professeurs aussi ils sont traités comme de la merde, qu'on les aide jamais et tout, à un moment je comprends qu'ils veulent dire oh, putain, c'est pas notre problème. S'ils devaient s'occuper de tous les petits cassos qu'il y a à l'école, ce serait compliqué. Et c'est pour ça, bah, je me rappelle, ah bah oui, bah c'est l'histoire de cette gamine-là qui est morte en plus, qui disait justement, ses parents étaient au courant de ce harcèlement scolaire. Et justement, à un moment, ils étaient allés voir l'école un petit peu en mode, bah voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire. Et à un moment, l'école leur a dit, bah voilà, faut porter plainte contre les parents des enfants qui harcèlent. Votre enfant, quoi, c'est simple, voilà, porter plainte contre les gamins en cause. Et le problème, c'est que, est-ce que c'est par erreur, par réflexe ou quoi que ce soit, la mère a répondu que oui, elle allait porter plainte contre les parents d'élèves, des parents mis en cause, mais aussi, comment dire, contre le collège. Et du coup, le collège, qu'est-ce qu'il a fait? Plus rien à foutre du coup de la gamine. C'est en mode on est inquiet et tout. Donc la mère expliquait que carrément sa fille lui disait, bah voilà, par exemple, la CPE, depuis qu'il y a eu cette histoire, carrément lui disait, enfin se foutait de sa gueule avec les autres gamines, quoi. À un moment, t'as envie de dire, mais voilà, en fait, c'est ça. Les professeurs, je dis bien que les professeurs sont pas là pour faire l'éducation ou quoi que ce soit. Mais à un moment, arrêter un harcèlement dans une classe,
Oui, c'est peut-être à l'adulte de le faire, surtout au collège ou au primaire, tu vois. À un moment, faut pas être con. Oh, par où il est parti? Par où il est parti? Non, mais lag pas là, tu me fais quoi? Bon, je sens que je vais faire un épisode. Je sais même pas par où il est parti, par là, par là. Et que je vais faire la mise à jour là, parce que non, non, là ça lag beaucoup trop. Mais j'en avais déjà parlé avec vous de temps en temps, parce que c'est con à dire, mais parfois le harcèlement scolaire peut très vite se régler. Je vous avais déjà parlé d'une histoire moi que j'avais eue, c'était au collège ou en primaire? Ouais, c'était au collège. Je l'ai pas eu, je l'ai pas eu. Ok, bon, bah on va réessayer. Mais en gros, effectivement, le gosse qui se faisait traquer parce qu'il puait le poisson, tout le monde le traitait de sale, de merde, de dégueulasse, de pourri, à toutes les saloperies qu'un gamin peut dire, tu vois. Mais c'est marrant pour le peu que. Moi j'y étais allé à un moment, je. Mais tu vois, sans haine, parce qu'à un moment, c'est vrai que je lui ai dit, bon, c'est pas bien ce qu'ils font, mais c'est vrai qu'après, enfin, je sais pas. Moi j'en ai connu. Effectivement, des gosses, là, c'était plus en primaire, qui se lavaient une fois toutes les 2 semaines, leur famille n'avait pas les moyens. Une fois toutes les semaines, 2 fois par semaine, et pas plus, quoi. Eux, ils trouvaient ça normal, parce qu'ils n'avaient pas de thunes. Mais, voilà, parfois, l'explication peut être très con. Et le gars qui puait le poisson, par exemple, bah, c'est simple, mais son père tenait une poissonnerie. Et merde, il vivait au-dessus de la poissonnerie. Donc, à partir de là. Oui, le gosse puait le poisson, quoi. Merde. Je crois que j'arriverai pas. J'ai fait encore trop le con. Donc, c'est pour ça. En un sens, voilà, les gosses sont parfois méchants, ils cherchent pas la raison. Mais quand moi j'ai appris ces cons à dire, mais que voilà, ils pouvaient rien y faire, ils vivaient juste au-dessus d'une boutique de poisson, à un moment, ben oui, ils sentaient le poisson. Et bah après les gens ils ont commencé à arrêter de l'emmerder parce que justement il y avait une logique, tu vois, il y avait une compréhension. Alors que je suis désolé, si tu cherches pas à comprendre, bah oui c'est la merde quoi. C'est pour ça que je me dis parfois si des professeurs ne faisaient qu'avoir une conversation avec l'élève et tout, mais ils pourraient mettre fin à un harcèlement direct. Et c'est vrai que quand je vois la petite qui s'est encore suicidée, faut dire ce qui est. Bon, après, je sais pas s'il y a eu des histoires de racisme ou quoi que ce soit. Après, pareil, on peut pas tout leur pardonner parce que ça tombe, c'était une petite peste, une petite emmerde. Parce que je tiens à le répéter aussi. Je suis comme pour la violence, je suis contre la violence gratuite, je suis contre le traquage gratuit. Mais à un moment, s'il y a un connard qui cherche la merde à tout le monde, commence à se faire traquer. Honnêtement, je vais pas avoir de compassion pour lui, hein, je dirais bien fait pour sa gueule. Vous voyez, la petite brute épaisse qui du jour au lendemain va se faire casser la gueule, moi ça me choque pas, j'ai envie de dire, ça c'est normal, c'est ce qui se passait avant quand on pouvait encore se défendre. Mais c'est vrai que c'est grave d'accueillir des gens sur le plateau, justement là, ils sont en train d'interviewer une fille, une mère qui a perdu son gosse il y a 3 ans. Et qui dit qu'il est en train de craquer parce qu'elle dit à chaque fois merde, non seulement ce qui se. Ah merde, faut que je quitte ça. Non seulement elle a perdu son gosse, mais en plus, chaque année, elle voit qu'il y en a encore plein d'autres, que ça recommence, qu'il n'y a rien qui change. Donc à un moment, c'est vrai que tu te dis. C'est comment dire, hein, mais à une certaine époque, quand il y avait un accident, quand il y avait un crime ou quoi que ce soit, on se demandait comment faire pour ne plus que ça se reproduise. Aujourd'hui, bah c'est simple, on met une sanction et on se casse. On n'essaye plus d'arranger les problèmes, on s'en bat la race. Enlever des objets. Ok, je sais pas, on va voir ce qu'il me propose de toute façon. C'est encore un truc à tous les coups que j'ai fait en 2 fois. Donc, par exemple, ça là, je peux prendre, ça collecte. Ça gagne des points, c'est quoi? Je sais pas. Allez, le bateau, je peux pas prendre le bateau? Vas-y, le ballon. Ok, donc c'est bien des objets, on n'est pas fou. Ok. Les gens. Ah ouais, mais je chope pas les gens.
Allez, chope les sièges, bordel! Oh, mais qu'est-ce que c'est chiant quand ça fait des trucs comme ça! Tu vois, tu sais ce que tu veux, tu. En plus, c'est au plus près, mais tu peux pas. Bah, vas-y, on va. Maintenant qu'on sait, on va carrément recommencer le défi. Je vais moucher, recommencer. Et c'est pour ça, et même la mère qui a perdu son gosse, elle, il y a 3 ans, elle disait non seulement elle remarque qu'il n'y a rien qui change, que tout le monde s'en fout, mais en plus de ça, même les gosses qui ont harcelé. C'est. Comment dire. Son fils et tout, donc ils l'ont poussé au suicide, à la mort et tout. Il y en a aucun qui a été condamné. Alors qu'il disait, mais franchement, il y avait des preuves de un peu tout. On lui avait demandé de sucer des trucs et tout. Enfin, vraiment des trucs innommables, quoi. Mais après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je dirais pas que. C'est pas normal. Mais c'est comme ça qu'on fait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, 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 prends les chaises, là, ils sont juste devant toi. Bon, il arrive pas à les choper, ça. Vas-y, vas-y, chope ça. Ces chaises-là, il veut bien, bah bien sûr. Toi, vas-y, barbecue, apparemment, on en a pas. Je sais pas s'il y a des trucs qui prennent plus de points ou pas. Pas de borne incendie. Tiens, une voiture, je peux pas, je peux pas. Si. Non, je peux pas, une voiture, je peux pas. Complicatel. Ouais, mais essayez de mettre plein d'objets sur mon chemin. Moi, je veux bien vous lancer des objets, mais y a rien. Regardez, là, je peux rien attraper. Y a rien. Non, mais. Ouah, mais regardez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Y a absolument. Et toi, va te enculer déjà, voilà. Y a rien, je suis à poil. Sur la plage, sur la plage, sur la plage. Vas-y, y aura plein de trucs sur la plage. Voilà. Allez, toc. Toc. Et c'est vrai que quand tu dis, les coupables n'ont même pas été sanctionnés. À un moment, c'est quoi dire, hein, mais c'est décourageant pour les gens. Et après, on peut venir se plaindre et tout. Hein, mais vas-y, toi aussi. Allez, prends-le. Toc, toc, casse-toi. Non, je pense pas que j'y arriverai, je pense pas que j'y arriverai, toc. Les serviettes, ça marche pas, toc, toc. C'est stressant parce qu'en fait, t'as l'impression qu'ils ont tout calculé pour que ça se finisse vraiment à la plage. Parfois, en mode ça va être juste, mais il y a moyen que ça passe, 17 secondes. Vas-y, n'importe quoi d'autre, n'importe quoi d'autre. Non, j'y arriverai pas. J'aurai pas le temps, mais il faudra recommencer. Hop. Allez, allez, chope le dernier ballon! Ça tombe, c'était ça qui manquait, le dernier ballon, et voilà, il voulait pas l'attraper. Et puis il y en a aussi qui vont faire leur célébrité. Hein. Là, je vois le petit Yanis qui débarque. Entre les moments où il disait ah, ça n'a rien à voir avec mon orientation sexuelle, tout ça, et aujourd'hui tu le vois, enfin, le gars, non seulement il a l'air assez chiant, il a l'air hautain, il a l'air vraiment efféminé. Donc, quand on revient à l'agression, bien sûr, l'agression qu'il a subie était inadmissible, hein, les effets de groupe, c'est toujours inadmissible, ou quoi que ce soit. Mais après, quand on se rappelle de l'ancienne version où il disait, ouais, le mec, il est passé avec deux nanas, il a commencé à regarder chelou, il a voulu se la péter. Honnêtement, on peut vite voir effectivement dans son regard que c'est le genre un peu à se la péter. Donc après, bah, c'est vraiment le fait qu'il ait été agressé par 10 personnes qui a rendu la chose honteuse. Mais honnêtement, il y aurait eu la même histoire, ce serait juste le mec qui l'a regardé, à un moment qui serait levé, qui lui en aurait collé une. Je sais pas si ça m'aura choqué. I'm studying the
human way of life to discover what drives their tiny cerebrals designs. Collect everyday artifacts. On s'en fout, casse-toi, vas-y, on bouge direct ici. Mais arrête de choper les gens, mais c'est pas possible, franchement. Casse-toi, pétasse, allez, hop, hop, toi, tu envoies te jeter là au loin, toc. Toc, toc, toc. En fait, pour le peu qu'on est dedans, faut juste essayer de choper des objets à proximité. S'il y a quelque chose, bien sûr. Allez, casse-toi, casse-toi. Cassez-vous. Oh, mais putain. Va t'en loin, crève, crève, voilà. Tu vois, t'en es à ce point-là, fais crever les gens. Mais pourquoi il y a des chaises comme ça qui marchent pas? C'est les mêmes que tout à l'heure, elles veulent pas. Ouais, bloque-toi avec ça. On recommence, ça sert à rien, ça sert à rien, mais... Non, mais c'est frustrant de rater des trucs qui sont bidons, parce que... Là, c'est quoi à dire, hein, c'est bidon, mais c'est juste qu'ils font en sorte de te mettre tout pile le nombre d'objets, et en plus, ils font en sorte que tu bugs sur les mêmes trucs. Vas-y, là, y'a rien, gars. Là, par exemple, tu commences, y'a une poubelle. Qu'est-ce que tu vas faire avec une poubelle? Le ballon, vas-y, un ballon, hop. Le ballon qui est pas passé, bien sûr. Allez, allez, hop. Bon, c'est bien parce que je sais que je peux le rattraper. Car... Mais regardez le... Oh là là, recommencer, ça sert à rien. Je veux dire, c'est le même qu'à qui j'ai enlevé la moitié de sa vie. Il me retombe dans les pattes. Alors que le viseur, il le met dessus. Pour une fois, je me dis, vas-y, tu vas le jeter vite. Tu vois, tu le prends, tu le jettes. Le viseur, il t'a mis dessus. What? Mais maintenant, c'est quoi ça? Mais... On recommence. Qu'est-ce qui m'a ouvert ce genre de menu? J'ai rien appuyé. Oh... Veux-tu fonctionner normalement? C'est tout ce que je demande. Je demande pas grand-chose. Hein. Fonctionne normalement. À l'autre côté, on avance direct. Non. I don't talk to you. Allez, concentration extrême. Lol. Allez, là, il y avait un truc qui a été refait. Donc là, les chaises là, on essaye même pas, on passe notre chemin. Allez, on avance, on avance. En fait, c'est ça, faut trouver les coins où il y a les ballons. Oh là là, tant pis, vas-y, suivant, suivant, tant pis, tant pis, tant pis. Boîte aux lettres, ça, ça passe. Screw you. Allez, allez, on bouge ici, y'a rien, y'a rien. Toc, toc, ici, toujours rien. Direct sur la plage, vas-y, direct sur la plage. Hop. Où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va? Le rayon, il est là-bas. Toc. Bon, ça va avoir de la logique. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Vas-y, au pire, on va carrément passer derrière comme ça. Pas besoin de viser. Hop. Allez, chop, 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 ça on peut pas choper les verres, ok. Toc. What? Y'a quelqu'un qui a tiré dans mes objets? Va te noyer! Et c'est pas l'arbre! Stop, Crypto! I can't use those samples! On va y arriver, on va y arriver. Ah, je dis ça, j'en sais rien. Allez, jette. Oh, bah si, bah on y est déjà, en fait. Bah, tranquille. Bah, du coup... Non, ça, il est trop grand. J'allais dire, on va tuer l'autre emmerdeur, là-bas, mais non.
Parce qu'il faut bien se dire que le monde n'est pas toujours tout noir ou tout gris. Hein. Je vous en ai parlé récemment, un mec là, qui à la base avait appelé pour, parce qu'il soi-disant s'était fait agresser, alors que finalement c'était juste un mec qui était venu défendre la meuf de ce mec parce que il était en train de tabasser sa meuf, quoi. À un moment, là quand je vois l'autre là qui disait victime, là, à faire des grands gestes, à gueuler, à dire des merdes sur le plateau télé, même la mère qui a perdu son gosse à côté il y a 3 ans. Elle le regarde un peu désabusé. Bah ouais, à un moment, enfin, déjà, on va recréer un Cassos de la télé. Lui, de toute façon, il va faire de la télé-réalité. Voilà, c'est. Il suffit de le regarder, il suffit de voir sa coupe, tout ça. Et bien sûr, c'est pas parce qu'il est trop non plus efféminé, parce que bien sûr, tous les gens efféminés, tous les homos ne sont pas destinés à faire de la télé-réalité. Mais là, tu sens le Cassos, hein, tu. Du coup, la course on l'a fait, ça on l'a fait, et ben direction là-bas maintenant. Lol. Il était déjà sorti le film? Oh si, ça il doit être bien plus vieux que ça, je suppose. Here's Johnny, le. C'était un film soi-disant d'horreur, je sais plus c'était quoi. Massacre à. Détruisez-les avec des explosions pour. Oh, j'en sais rien, vas-y, on lance. Comme d'hab, c'est mal expliqué, mais on verra l'explication au début et on recommencera, c'est pas grave. Détruisez-les avec. Anéantissez les humains, ok. Comme je sais pas combien. On peut aussi mettre des armes aussi, hein. C'est vrai que. En fait, je sais pas si c'est un vrai intérêt de les exploser à la bombe, si ça fait réellement gagner plus d'XP. Voilà, il vaut mieux que je reste là. Toc, 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 toc. Ok, des points rouges, c'est par là-bas. Tuez, mourez! Pourquoi ils disent que je sors de la zone? Ils me font chier avec leurs hommes, j'ai rien demandé voilà. Vas-y, reviens sur l'électricité. En fait, j'aurais dû garder les explosions pour plus tard, c'est peut-être ça aussi qui est. Dans les murs, j'en sais rien, toc, 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 toc. Ça devrait passer quoi. Oh, par contre, fais gaffe à ta vie aussi, j'avoue que. J'y suis allé un peu en mode YOLO. Oh. Oh là 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 là. Dernier point de vie, ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur. Je crois qu'il vaut mieux que j'en tue un dernier et que je me casse. Oh, y'a un mec à côté de moi qui est chelou. Merde, 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 10 secondes, j'ai pu. Reprends ça, hop. Il faut que j'en tue un dernier, voilà, voilà, casse-toi, 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 casse-toi. Oh bah c'est bon, ma vie est revenue. À mort, à mort. À mort, à mort, à mort. À mort, à mort du goût. Et eh bien sur ce, je sais pas s'ils vont me filer une nouvelle mission, mais si j'ai fini les 3 sous-défis, ça fera l'épisode à tous les coups. Et on verra si ça m'ouvre un nouvel endroit quand même. Mais après, c'est vrai que je me demande aussi qu'est-ce que font les parents, parce que. En un sens, celle qui est morte récemment, les parents disaient qu'ils étaient au courant de ce harcèlement, tout ça, et que la fille, elle avait déjà fait une tentative de suicide. Donc à un moment, je sais pas, tes parents, t'es à ce niveau-là, mais quitte à débarquer à l'école et menacer les gosses, à un moment, ben, je sais pas,
Tu m'étonnes qu'ils s'envolent, qu'ils pensent qu'ils ont raté quelque chose ou quoi que ce soit. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a, hein. C'est con à dire, hein, mais après, vous allez dans une école et tout, votre gosse il se fait harceler, à mon avis, vous rentrez dans la classe, vous gueulez un coup sur les élèves, les autres gosses vont commencer un petit peu à se chier dessus. Et après, peu importe les poursuites que vous risquez ou quoi que ce soit, si ça peut permettre de sauver votre enfant, il y a ça aussi, hein. Parce que là, oui, effectivement, celle qui vient de mourir, il y a la mère là qui fait le tour des plateaux avec son fils. Le fils, ils ont gâché ma vie, ils ont ruiné ma vie et tout. Je veux bien croire, hein, mais pourquoi t'as pas aidé ta sœur à un moment? Tu vois, c'est ça aussi. T'étais plus grand, t'étais plus vieux, t'étais au courant, tu savais quelle école, tu savais quoi. T'as rien fait. Après, oh, ils ont raté ma vie, ils ont. Ouais, va jouer sur la culpabilisation et tout. À un moment, enfin, c'est triste à dire, hein, mais. Quand on fait rien, après faut pas s'étonner. Oh, y a rien qui s'est passé. On pensait que les problèmes ils allaient s'arranger tout seuls. Je voulais pas l'écouter, j'en avais rien à foutre. C'était chacun sa merde et après. Oh, ma vie elle est foutue. Ouais, vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, bah, retourne au vaisseau mère. Qu'est-ce que je dois faire? Et j'ai rien de débloqué? Bon, déjà, on va aller essayer de dépenser un peu les sous. On verra hein, s'il n'y a pas de nouveaux points. Bah merde alors. So, what would you like to upgrade, you little ball of unbridled aggression? Alors, ouais, j'en sais rien, j'en sais rien. Faut dire ce qui est, la sonde, je m'en sers pas beaucoup. Oh, putain, mais ce menu, mais ce menu! Les mecs, ils s'amusent à faire des menus, ou comment dire. Ou parfois, pour changer de truc, faut faire droite-gauche, parfois, faut faire LB et RB, parfois, pour revenir, faut faire B, parfois, faut faire X. À un moment, tu pouvais pas juste mettre une touche, tu vois, par exemple, droite-gauche, aller à droite, à gauche, et B, voilà, pour revenir et tout. Qu'est-ce que tu nous as foutu, des trucs LB, RB, rien à foutre. Comment on débloque les lieux, alors? Je sais pas, j'espère que j'ai pas déjà fait tous les lieux, quoi. Le jeu y est pas censé être si court, si. Bon, allez, on va redépenser les points. De toute façon, je terminerai l'épisode là-dessus. J'irai vérifier sur Internet. Hein. Allez, crypto, c'est ça que je veux depuis le début. Hein. Ça va, j'aurais pas mis 5 fois à le refaire. Accélération. Qu'est-ce que j'entends? Je sais pas, de toute façon, je vais couper là, je vais aller voir. Comme d'hab, j'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai quand même bien kiffé. J'espère que ça durera plus longtemps et on se dit à bientôt pour la suite ou de nouvelles aventures. Pour l'instant, j'en ai aucune idée. Des bisous. Ciao.